Ce que je fais, c'est du néo-burlesque. C'est un spectacle vivant, humoristique, féminin, et qui met en scène une certaine forme de féminité tout en humour. Nous, dans le néo, on va aller de l'humour façon pin-up qui fait une bêtise au trash, vraiment trash, version drag queen, quoi. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est qu'il faut prendre son pied et faire prendre son pied au public. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Plaisir à se moquer d'une partie de soi ou d'une partie des autres, ou alors tout simplement on prend des belles choses, on les met ensemble, on secoue un peu avec un peu de paillettes, un peu de plumes, et puis on met tout ça en musique et ça donne un spectacle où tout le monde prend un moment de joie. Voilà, là on manque en fait de choses comme ça dans la vie, la vraie, la dure, on manque de joie. Ben voilà, là la paillette c'est la joie. On a toutes nos personnalités, c'est ça qui fait la diversité. C'est aussi ce qu'on aime dans le burlesque, c'est la diversité. Des tailles, des formes, des couleurs de peau, des couleurs de cheveux, des inspirations, voilà, tout se mélange en fait. C'est ça qui est intéressant. Comme je suis assez ronde, souvent, enfin, on m'a proposé des soirées spéciales rondes, spéciales grosses. J'avoue que j'ai pas été très très à l'aise avec ça, parce que pour moi, le burlesque c'est la diversité. Donc, il y a des blondes, il y a des brunes, il y a même des chauves. Enfin, à un moment, si on fait une soirée que sur une seule typologie de personnes, on va vite s'ennuyer. C'est pas une thérapie du tout, mais ça m'a permis de pouvoir me lâcher complètement sur des scènes face à des inconnus et dans un cadre particulier. Donc c'est se mettre en danger aussi, mais c'est en prendre un maximum de plaisir possible. Donc oui, c'est une philosophie de vie en quelque sorte. Si le féminisme, c'est le discours forcément de la femme, ben oui, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Maintenant, j'ai pas de revendication ni politique, ni idéologique dans ce sens-là. J'estime que c'est dur, forcément c'est dur pour les femmes. On le vit quotidiennement, mais dans le burlesque, c'est nous qui avons le pouvoir, entre guillemets, c'est pas une question de rivalité, mais on a la place, on prend la place pour s'exprimer. On n'a pas à la faire. C'est à nous, la scène est à nous, le public est à nous. Et les filles, enfin les filles, le public, parce que souvent des femmes qui viennent voir nos spectacles. Hein, souvent le compagnon, soit il a un peu peur, soit il est, bon voilà, striptease, truc un peu glauque, ça le branche pas trop. Et puis, ben, il restait un peu estomaqué. On leur fait souvent peur aux hommes. Il y a un côté, justement, de pouvoir qu'ils ressentent alors qu'on exprime de l'assurance peut-être. Et du coup, ils le ressentent comme une violation de leur territoire viril. Quand on voit l'engouement que les femmes ont, quand on propose des cours, quand on voit leur engouement, quand elles voient des filles sur scène, elles ont envie d'être ces femmes-là. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de place pour leur permettre de s'exprimer. On a encore beaucoup de choses à faire. Alors, c'est pas un discours de féministe, hein, c'est vraiment plutôt social. C'est lâchez-vous.
lâchez prise. Vraiment, faites-vous plaisir parce que la vie est courte. Oui, voilà, je fais un 44, c'est terrible. Mais tant pis, quoi, voilà, ça va pas m'empêcher de vivre ma vie et d'apprécier une soirée entre potes. Voilà, il faut lâcher prise à un moment. Et pourquoi pas dans le burlesque, c'est toujours mieux que la drogue ou autre chose.